Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer notre semaine numéro 2 du 14 au 18 février 2021. Les objectifs: développer les compétences linguistiques de l'élève en langue française, amener l'apprenant à comprendre et lire le sens d'un écrit. Le livre de l'élève, page 34, Kitab al-Talib, safha 34. Compréhension de l'écrit. Thème: aidant et respectant les autres. Le bon pêcheur. Un pauvre bonhomme pêche à la ligne au bord de la mer. De méchants enfants qui passent par là se moquent de lui et le dérangent. Mais le monsieur fait semblant de ne pas les entendre. Après un moment, les enfants s'en vont jouer pas trop loin de lui. Tout à coup, l'un d'eux glisse et tombe dans l'eau. Il se met à crier: au secours, au secours! Ses deux amis ne savent pas nager. Alors le pauvre pêcheur, qui a entendu l'appel, se jette dans l'eau. C'est un nageur très habile. Puis, il se dirige vers l'enfant et le retire de l'eau sain et sauf. Honteux, les deux gamins s'approchent du nageur et lui disent: nous sommes désolés, merci beaucoup d'avoir sauvé notre ami. On doit respecter tout le monde. Le livre de l'élève, page 35. Kitab al-Talib, safha 35. Répond correctement par des phrases complètes. Ajoute bijoumal kamila. Phrase complète. A. Qui sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont le pêcheur et les enfants. B. Où se passe la scène? Où? La scène se passe au bord de la mer. C. Que font les enfants méchants? Les enfants méchants se moquent du pêcheur. D. Pourquoi un gamin appelle-t-il au secours? Il appelle au secours parce qu'il glisse et tombe dans l'eau. Le livre de l'élève, page 35. Kitab al-Talib, safha 35. Qui a sauvé cet enfant? Le pauvre pêcheur qui a sauvé cet enfant. F. Entoure la bonne réponse. Le pêcheur est horrible, curieux, serviable. Le livre de l'élève, page 36. Kitab al-Talib, safha 36. Redit les contraires. Bon. Méchant. Généreux. Avare. Intelligent. Bête. Pauvre. Riche. Habillé. Maladroit. Grand, petit, large, étroit, faux, vrai. Le livre de l'élève, page 36. Kitab al-Talib, safha 36. Complète par des mots du texte. Honteux. Les deux gamins s'approchent du nageur et lui disent:
Nous sommes désolés. Merci beaucoup d'avoir sauvé notre ami. On doit respecter tout le monde. Au revoir.